Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo. J'ai voulu rajouter ma petite patte, c'est qu'en gros, déjà vous savez pas ce qui a été voté puisque je l'ai mis en cachet. Et en plus de ça, vous avez pu aussi me donner des actions et des challenges. Donc on va relever ça avec le premier pour lequel je vous déteste. Mais genre, mais je vous déteste, mais c'est pas grave, je vous déteste. Le sport, il est 8h du matin. Je vous jure, hein. Pire nouvelle du jour, après le coronavirus. Bon après vous m'avez laissé dormir jusqu'à 8h. On a dit quoi le sport? Moi je fais pas partie des sportifs qui veulent courir pendant le confinement là, je lâche ma botte. Faire une séance de sport à 1000, vous êtes 1000 à m'avoir demandé une séance de sport. Pas content. Donc c'est parti, mais je suis obligée de dire salut les gens. Mais non, tu commences direct par le... Mais c'est mal poli, c'est comme si t'arrivais à un endroit et tu fais pas la bise aux gens. Je te fais pas la bise. Du coup, j'ai décidé pour le sport de faire le 20 minutes body workout de Stormette. Elle a dit les fesses. Mes parents, ils m'ont fait sans option fesses, du coup c'est parfait pour moi sa vidéo. Café. Je voulais faire un plan continu. Challenge petit déj de roi fait pour deux personnes. Voilà. Du coup, je vais m'occuper de la cuisine puisque c'était le challenge que vous m'avez donné. Mon copain va s'occuper de la salle de séjour et les chambres, ça va. Et c'est une journée ensoleillée, pleine de bonheur et de musique du coup. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Mais Rocky et tout, tout va bien. Le problème c'est que pourquoi il y a de l'eau qui est sortie de Rocky sous son meuble? Est-ce qu'il y aurait une putain de fuite? Bon du coup j'ai les mains attachées. Donc faut savoir que mes cheveux ils sont pas super propres parce que de toute façon c'est pas un challenge si dur sachant que je coiffe jamais mes vaches. Et après je dois me maquiller dans le noir. Faire plus de nœuds que j'en ai déjà. Mais c'est un enfer. Bon mais voilà hein. Parce que de toute façon c'est pas un challenge si dur. Oh non, je vais venir pour le tour. Et on va couper la lumière. Donc là je me poudre le visage. Moi ce que j'ai peur c'est les sourcils là. Là je suis en train de les faire. Je vous jure je suis en panique parce que j'ai grave peur du noir. Et que je vois un petit peu les reflets. Je me dis s'il y a quelqu'un qui tombe dans mon dos. Je fais une crise cardiaque les gars. Le rouge à lèvres. J'ai mis le doigt dessus pour pas l'oublier. Putain c'est fou, ça va être mieux que quand je me maquille avec la lumière. Et 1. Et 2. Et... Bah ça va. Vous avez opté pour cette petite tenue qui est une de mes tenues faves. J'avais peur que vous votiez pour l'autre. Parce que je suis pas à l'aise dans l'autre. Bon mais du coup voilà. J'avais en défi de me maquiller. C'est pire que d'habitude. C'est mieux que d'habitude. Prochaine mission, c'est le repas de midi. Vous m'avez dit de prendre des ingrédients au pif en fermant les yeux dans le frigo. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais me bander les yeux et puis on va y aller. Avant de me bander les yeux, je vais mettre des patates dans la recette parce qu'il faut qu'on mange des putains de patates. Des patates qui commencent à mourir. Pas de ketchup.
Je sais pas ce que c'est. C'est de la crème fraîche. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai pris du haché végétal. J'ai pris de la pâte de curry. J'ai pris du lait de coco. Des pommes de terre. Réflexion intense. On va rajouter des pâtes à lasagne. Je sais ce qu'on va faire. C'est parti. J'ai très très peur du résultat. J'espère que ça sera bon parce que je meurs de faim. Je vais rajouter de la sauce tomate, hein, je pense. Bon, j'ai mis les patates à cuire. Je vous retrouverai quand elles sont cuites parce que ça prend du temps. Asia Tex-Mex, j'en sais rien du tout. Je suis en train de réaliser que j'ai tiré du lait de coco quoi. Bon, on va miser le tout pour le tout. On va faire genre des saveurs d'antan. Je vais rajouter de la crème fraîche et du gruyère. Molo lastico. Ça a une odeur très bizarre. C'est vraiment des trucs très bizarres que je mélange ensemble hein. Pour le temps, au pif aussi, hein. Faisons les choses bien. Moment de vérité. C'est bon, mais c'est chaud. Après, c'est très original. Comment on se retrouve? Alors vous connaissez la sieste et tout ça. Alors on s'est fait aspirer dans une sieste mon gars. Du coup je suis en train de faire du café et de me faire des céréales. C'est dur le réveil. Tu sais vous dites je dors. Allez 20 minutes, 1h30 plus tard voilà. Par contre on a tapé le plat de lasagne mais à la mort. On l'a fini entier. Genre on a pu tout manger. Au final on s'est régalax au maxi max. Je suis en train de me concocter une petite potion pour ranimer mon corps et revivre. C'est du lait de coco et des céréales. Genre je bois pas de lactose. Tu bois pas du tout de lactose, tout ça, les glaces et tout. Donc qui me suivent en story, vous savez ce que c'est l'enfer de mes problèmes voilà avec la bouffe. Et en gros du coup je me remplace par le lait de coco. Mais c'était une merveille parce que je ne savais pas à quel point la vie était belle jusqu'à découvrir les céréales et le lait de coco. Les gars c'est incroyable. Je vais vous demander si je vous fais un live ce soir de Sims ou pas. Sinon je ferai un loup-garou avec les gens du Patreon. Hier on a fait un loup-garou, c'était trop bien. Je viens vous parler de près. J'ai l'impression que vous êtes mes copains et que je vous parle de l'autre bout de la classe là. Bon pour ceux qui sont sur le Patreon en fait c'est pour m'aider à financer du matériel. Et en gros là les premières choses que je vais m'acheter un écran, je vais m'acheter des éclairages. Pour pouvoir faire plus de vidéos avec plus de qualité et tout. On est en train de faire le studio photo à côté. Sur le Patreon c'est une façon de me soutenir en me faisant des dons mensuels. Alors vous pouvez vous désabonner quand vous voulez. Et grâce à ça on a créé un Discord où je passe tous les jours pendant le confinement. Et que on discute tous ensemble, on fait des loups-garous en vocal et tout. Et je trouve ça vraiment chouette. Et tout le monde est gentil, enfin je sais pas, c'est un bon mood. Et de vos retours vous êtes super contents. Je pense que là on est 22. C'est déjà énorme donc merci à toutes les personnes qui sont sur le Patreon. Ben, j'espère que je vous décevrai pas et que vous trouverez des choses qui vous intéressent. J'essaie de partager plein de choses en plus sur le Patreon. Et en tout cas voilà si jamais vous voulez nous rejoindre j'espère que vous trouverez un endroit qui vous plaît. Continue d'appuyer sur mon café. Bon, vous m'avez mis au défi de faire le maquillage de Marion Caméléon qui se met ici. Évidemment je n'ai pas son talent ni le matos donc j'ai un peu... Mais en toute sincérité, cette partie du vlog a été filmée le lendemain. Oups. Les cochons ne se mélangent pas avec la tartiflette. C'est une blague? T'es allé manger des trésors de Kellogg's? À quoi ça sert d'avoir un putain de costume? Et là, si on doit nettoyer les miroirs? Je pense qu'on va se faire un repas apéro. Un repas apéro, ça s'appellera. Et là, je vais aller travailler là-bas parce qu'il me dit « Oui, tu t'es pas avec moi et tout. Pourquoi t'es toute seule dans le bureau ?» J'arrive, j'arrive. Laisse-moi travailler. On va me faire installer les Sims, mon gars. Et pour les infirmières, allez, allez. Et pour les caissiers, allez, allez. Il a dit que ma mère, elle était caissière. Et alors, ta mère, elle est caissière? Oui. Et ben voilà. Pardon. Pour la 106 000e fois de la journée, on va se faire à manger. Il va venir m'aider le monsieur.
Voyons voir ce qu'on va manger. Alors, on va prendre des œufs frais. Tu crois que je te vois pas là? Spermatozoïde là. Et toi, spermatozoïde aussi là? Moi? Non, le voisin. Là. Là. Oui. Je fais le petit bourg, regarde. Broken.